Eh bien salut Sagi, bienvenue pour ce 41ème épisode du Let's Play sur Dragon Quest Builders 2. Ça y est, enfin j'ai toutes les viandes que j'ai réussi à choper sur ces lapinots et les corbacs. On va pouvoir les lui donner. En plus je suis retourné sur l'île de l'éveil pour essayer d'en avoir, mais c'est vrai que je vais repose tout dans le baluchon. Et du coup on les garde pas pour la prochaine île. Par contre j'ai débloqué une nouvelle mini médaille pour avoir accompli de nouvelles découvertes de recettes. Il me reste plus que 3 pour avoir le crayon magique. Et j'ai vu ça dans le fond. On va aller jeter un œil. Mini médaille. Bien entendu, je dois refaire ça. Ça y ressemble. Ouais, en tout cas ça valide. Ça a l'air vraiment d'être ça. Calme-toi toi là-haut. Je t'ai vu derrière. Très bien. Et facilement on peut passer à côté, hein. On fait pas attention, on regarde autre part. On le rate. Après c'est pas bien grave, hein. Comme j'ai déjà dit, c'est des choses qu'on peut faire un peu plus tard sur la fin de l'île. Ça te donne de la viande toi aussi. D'accord. C'est pas loin du temps, il m'en faut. Hein. Il est plus beaucoup pour booster mon attaque. Ça donne pas tout le temps. Allez, deux de plus. On va s'arrêter là, lui la quête est terminée. C'est tout ce que je voulais. Parce que là, est-ce qu'on va subir une autre attaque? On va bien voir. Je vais faire cuire tout ça. Bon, les petits cuirs maintenant ça me sert plus à rien. Ce qui est cool. Plus besoin d'enquiquiner avec tout ça. Hop. Là et le feu que j'avais mis ici. La rosée, faut que je récupère. Oui. Tan dan. Tan tan. Ça, bon, je vais équiper ceci et enfin parler. L'unité des violents sera bientôt là, Agita, et leurs éclaireurs ont à peine bronché en voyant notre défense actuelle. Si nous comptons les vaincre, nous devons renforcer nos défenses et concevoir une autre arme magique pour contrecarrer leurs assauts. Pour cela, nous devons à nouveau tenter de découvrir quelle est leur faiblesse. En effet, mais avant cela, commençons par concevoir un autre plan pour nos futures fortifications. Oui. Oui, 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 oui. Encore plus loin. Ouais, un petit peu plus loin. Ça rajoutera des pièges anti-violents. Il y a deux choses qu'on ne connaît pas. Encore 4 pièges foudre. À la bonne heure. Encore un triomphe, Agita. Même les soldats imbattables de l'unité des violents devraient avoir du mal à franchir cette section. Et une fois que vous aurez placé les armes magiques sur les points d'interrogation, espérons que cela les empêchera de progresser. Il y a des informations qui pourraient vous servir contre l'unité des violents, hein, si vous êtes disposé à m'écouter. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous remplissiez un coffre collectif avec les matériaux nécessaires, oui. On sait. Ok. Papy, tu peux attendre quelques secondes, s'il te plaît. Est-ce que j'ai des choses intéressantes? 22, ça va être suffisant, hein. Carrément pas. Bon bah les pièges de foudre. Ma foi. Je vais retirer cela. C'est pas toute logique, ils doivent pas atteindre cette zone. Pas toute logique. En plus bizarrement ça fait pile poil ce qu'il me faut parce que les cristaux chelous, je sais pas du tout les obtenir. Je casse un mur. Non. La bidoche. ...554. Encore, il en faut beaucoup. Tranquille. Ça va le faire. 61. Non, un en plus.
Web. Smart 3. Ok. Il en fallait autant que ça, j'ai pas fait attention. Pour si peu, hein. Sur 16. Il va me falloir des escaliers. J'en ai 9, apparemment il en faut 12. Non, ça t'arrête, Cove. Tout est de marbre. Hein. Vraiment tout chez tout. Un peu de bois, de la barricade. C'est pas fou non plus, hein, la barricade, mais bon. Alors, je vous mets tout ça dans la boîte. Et faites-vous plaisir. L'escalier, on a vu où? Ah, il était peut-être déjà dans la boîte. Hop. 5 viandes. Là, il y a encore piège food, plusieurs trappes. Je vais prendre ceci. Piège food, de toute façon, il y a assez. Je vais peut-être le placer moi-même. Comme ça. Ouais. On va remettre des pics. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Piège crame, il m'en faut beaucoup. Piège tornade, c'est tout bon. Des pièges crame. Yep. Ok, ça va. En attendant, on va pioncer. Ça, ça va se finir. Ouais, mais attends que ça se finisse. Déjà récupérer ceux-là. Et en refaire ici. Mais en acier. Dormons! Puis le jour se lève. Ça s'est terminé. Excellent. Non merci. Là dedans. C'est beaucoup mieux. Alors toi t'es là-haut. Attention. Quand je vivais parmi les monstres, j'ai appris qu'un curieux, pardon, glorieux trésor était caché dans un lieu appelé la forteresse glaciale. Super, je suis toujours partant pour une chasse au trésor. Agita, et j'en ai marre d'être tout le temps enfermé en château, pas toi? D'après ce que j'ai appris, c'est un artefact au pouvoir immense. Peut-être le matériau idéal à partir duquel recevoir une arme magique, non? Eh, château de glace. On va passer par de la magie de glace maintenant. Quant à la forteresse glaciale, partez vers l'est depuis les rues de la lune jusqu'à la mer. La position nous sera indiquée. Oui, oui, oui. C'est tout bon. Normalement, j'ai tout mis bien. Je pense pas avoir oublié des choses. On va quand même vérifier au cas où. Il manque juste ces trucs-là. Logique. Et je crois, ouais, le reste c'est mis. Hop. On se bouge. Et voilà. Ouais. Ah oui, là où il y avait un petit marteleur quand je cherchais de la viande. Je l'avais vu, lui. Ouais, juste là. De la fourrure, je prends. Sa fourrure, tout est perdu. Oh bonjour, j'ai juste quitté la forteresse glaciale quelques temps pour prendre un peu de l'air. Si tu cherches la forteresse glaciale, il te suffit de descendre cette colline, de traverser ce pont, puis de suivre le chemin vers la droite. Attention à la tempête cependant. Elle est si puissante qu'elle te renverra tout en bas et te videra de toute ton énergie. Même nous, les marteleurs, nous ne pouvons pas survivre à ce climat extrême. Seuls les monstres à la fourrure épaisse peuvent endurer un tel temps.
Ah, la fourrure épaisse. Je me donne une idée avec le morpho bâton. Yep. Ça, j'en récupère tout de suite s'il m'en faut pour les armes magiques que je vais créer. Ouais, en plus, il y en a pas mal. Hein. Heya! C'est tellement rien comme ça. Enfin, c'est pas eux qui vont m'XP, hein, vraiment. T'as vu tous ces cristaux? Voilà. Alors, c'était plus par là-haut, en fait. Parce que je m'égare à devoir prendre ce truc-là, mais bon. Je suis quand même le chemin. Moi, bon, j'imagine qu'il faut sensiblement y être dessus, hein. Armure. On va aller voir ça. Par un ami marteleur. Ok. Hop là. Voilà. Et ça fonctionne. Bonjour, j'ai cessé de m'habituer à ce glacial. De ne sont pas fait pour ce type de climat. Si je reste ici assez longtemps, je finis bien pour me couvrir de toutes poils, non? Et comme je pourrais me rendre à la forteresse. Après, tu parles de ça, mais c'est l'évolution des espèces qui se fait comme ça. Donc toi, tu vas peut-être mourir, mais si tu vas avoir des enfants, plus ça va, plus ils ont du poil. Survivre à ce espèce de climat. Il y a quoi là-haut? Hein? Ah, ok, ça revient. Donc il vaut mieux ne pas sortir notre transformation. Bah. Un chasseur. La vie globe. Voilà. Salutations, forme de vie. Veuillez confirmer l'information suivante. Cette île se nomme Au Charbon. Oui, non. Non. Oui, Solune. Saisie erronée. Nouvelle procédure de recherche de danseuse. Évaluation des options. Déménagement vers autre île. Déconseillé. Trouver danseuse à Ruislune. Trouver danseuse à Ruislune. Vous, forme de vie. Danseuse aussi, forme de vie. Vous pouvoir changer en danseuse. Analyse en cours. Analyse en cours. C'est pas une danseuse. Pas une danseuse. Attends, ça va prendre un peu de temps, hein. Je m'en excuserai, mais bon. On a déjà réussi à s'en rendre danseuse. Mais il y a des fois... C'est la galère, comme tu peux le voir. En monstre. Toujours en monstre. Voilà. On est danseuse. Allons parler à ce robot. Il a dit qu'il voulait voir des danseuses, pas vrai? Danseuse localisée, opération réussie. Erreur de dépassement de gestion des émotions. Salutations, danseuse, veuillez accepter. Ouah. Oh, des gels de foudre. Mais c'est dégueulasse. Je connaissais pas les machines fontaines. Enfin. Alors, on est reparti. Caméra, action. Là-haut. De la flotte. Je dois faire le tour par ce pont. Ah. C'est mieux sans tempête de neige. Hein. J'ai rien dit. Oh. Salut Moro. Moi, pas connaître-vous. Vous, nouveau garde? Rumeur à dire qu'humain force sans armes, ça se promenait incognito.
Si vous voyez un ami étrange, venez le dire à moi. Enfin, si vous survivez pour raconter ça, vous aussi chétif que même humain chétif battre vous. Je préfère être chétif que moche comme un pou. Allez mon gros, crache le morceau. C'est quoi la faiblesse de l'unité des violents? Malrof. La faiblesse pas secret, leur faiblesse froid. Pour ça que nous gardons très dorselés pour eux. Pour qu'humain chétif pas le trouver. Oh, il est con comme un troll, hein. C'est une nouvelle expression. Et pourquoi vous vouloir savoir faiblesse? Moi trouver vous suspect. Moi voir qui vous êtes vraiment. Et toi, toi apporter des trucs brillants. Ok, oui, Seth. Tout de suite, Seth. Édition. Est-ce que c'est... Athéna? Ah, ça a vu ma fourbe. Vous essayez de tromper moi, vous malhonnête. Nous voir si vous êtes toujours malhonnête, comment écrabouillez-vous? Bloc. Ok, pas lui en premier. Ah, il m'endort lui. Ah. Sur son sang. Ouais, ça va. Faible. Très très faible. Tout. Tiens bon, Malrof. Un squelette de fini, le deuxième. Cette attaque circulaire, et tout va bien. Oh oh oh. Lep, lep. Lâche ta méga protection, ou je ne sais quoi. Attaque abri. Et à toi, allez, roubignol. Ah, il aime pas ça, hein. Ok, ça, c'est viable. Ok, c'est en VR, guéris. C'est pas si difficile. Pourquoi perdre du temps à se faufiler discrètement au final? T'as quand même appris quelque chose. Apparemment, ils ont le miroir de rat. Comment ils ont pu mettre leur sale patte dessus? Tu l'avais confié à Athéna, pas vrai, Gita? Alors mes soupçons sont avérés. Même si ça me fait de la peine de l'avouer. L'espion qui se cache au château de Ruslune, l'humain qui a prêté allégeance au monstre, c'est sûrement Athéna. Quoi? Comment les monstres auraient-ils pu s'approprier le miroir de rat autrement? Elle a dû leur dire où elle l'avait caché, où elle leur a peut-être même donné en main propre. Cela fait même déjà un moment que je soupçonne Athéna. Je me suis porté volontaire pour cette mission afin d'exposer sa félonie. Bien, récupérons ce que protégeait le troll et retournons au château le plus vite. Pour le moment, ne parle pas de tout ça, Athéna. Ne dis rien non plus aux habitants. Laisse-moi un peu de temps pour mettre au point un plan. Ça, c'est bien joué. Pas de précipitation. Préparons ce qu'il faut pour la piéger. Poignée d'éclat argenté. Hein? C'est quoi ces trucs? L'unité des violents a peur de ces tout petits cristaux? Un froid intense émane d'eux, et le troll a dit que l'unité des violents était vulnérable au froid. On va peut-être les utiliser pour créer une nouvelle arme magique? Je fais entièrement confiance pour concevoir quelque chose de spectaculaire. Viens, retourne au château. On apprend la nouvelle recette. Hein. Piège glace. Avec des vents glacés. Attends, parce que là on a des hauteurs. Hé hé hé. Oh shit. Un petit chemin. Graine de vie. Non, de l'or. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faire le tour par ici. Est-ce qu'il y aura encore des choses cachées? Ça, j'allais beaucoup trop après. Allez. Il y a un trou. Alors là, on a rien. Pareil ici aussi. De grimper, ça fait pas de mal. Juste pour vérifier.
Ah, parce que comme ça, on peut voir pas mal de choses, en fait. Peut-être des passages pour des épreuves mini-médailles. Là, oui, il y a un truc chelou. Ok, bon, bah, ça a l'air d'être tout. De toute façon, tout ça, on y reviendra. Sans problème. De nouveaux pièges, de la glace. Pour les violents. La dernière unité à combattre. C'est vous. Ah, Gitan, comment se passe la mission? Vous découvrez une faiblesse que nous pourrions exploiter pour vaincre l'unité des violents? Les fusils sur place avec des pièges glaces, dites-vous. J'imagine qu'il faut les chauffer sur les points d'interrogation indiqués sur le plan, mais ne faudra-t-il pas également une sorte de mécanisme pour les déclencher? Ouais. On va utiliser les mêmes moyens? Il va falloir faire des boutons poussoirs bleus. Pour que ça aille ensemble. Et non. Commutateur, mécanisme qui se pose au sol, déclenche les pièges et éléments d'armement éloignés. Lorsqu'on marche dessus, peut-être teint. Ah bah, faut ajouter du bleu. Yep, yep. Attends. La neige, tu te casses. Alors, il m'en faut 4 avec des plaques d'activation. Allez, j'ai pas rien pour grimper en revanche. Faire. Voilà. Les plaques. Ça, déjà, il m'en faut 6. Donc, en 2, j'ai assez d'huile. Mais j'ai plus assez pour ici. On aurait dans le coffre, j'aille en récupérer. J'aille en récupérer. Bon, ça déjà. Je passe là-dedans. Alors, qui donnait de l'huile? Les corbeaux? Je ne sais plus. Les nuages, c'est le cristal. Il y avait le gluant, on avait déjà trouvé. Il va m'en falloir. Il n'y a que lui qui reste ici. Il n'y a plus de monstres? Je crois qu'ils ont tous des guerpilles. Hein. Ah, un squelette. Bon, je pense pas que tu vas m'en donner, toi. Hein. Combattre encore. Peut-être le mage. Non. Un cristal magique. C'est corbeau simple. Non plus. Alors, encyclopédie, monstre. Qu'est-ce qu'on peut faire par région? Ah, là, on peut voir ce que ça donne. Des barbares. Barbares, chasseurs de tête. Ok. Le bâton d'huile. Pas d'huile. Appelle des potes. Donc, tout ce qui est barbare et chasseur de tête. Là, y a que du squelette.
On va aller au fond. Vers là-haut. Tac. Il va falloir pas mal d'huile. Au moins 5, c'est déjà bien. Allez, chasseur. Poche explosif. Voilà. Yep. De la viande. J'en fiche de ça. Allez. Oh la misère. Ça fait de l'XP hein, tu me diras. Ah bah voilà. On a donné 2. Propre ça. Du lièvre corne. Ça m'intéresse pas mais on va tuer quand même. Faire respawn les autres monstres. Allez, encore au moins une fois. Ce serait bien. Ça me refait de la bidoche. Cassez-vous les corbacs. Pas apparaître hein. Ah si, y'en a un. De l'huile. La galère. Bon, on va voir ce que je peux faire déjà avec ça. Attends. J'ai bien se cacher. De la viande. Tout un monstre comme ça donne de la bidoche. Non, c'est là-haut. Prends. Et tout de suite, il refait. Yep. Ah bah c'était là ce que j'avais jeté. Cinq, deux. Et il m'en fallait combien? Pas grand chose. Ouais donc ça va être suffisant finalement. Pas besoin d'en avoir plus. Ouais c'était 4. Très bien. Alors attends, annule-moi ça s'il te plaît. Fais en plus. Et on va aller piller mes avant. Placer la bidoche. Je sais, je pourrais faire un pot au feu. Mais je manque une poêle, mais juste une viande. C'est juste pour le boost d'attaque. Ok. Tac, tac. Et roupillon. Oh. Tout ce monde qui dort par terre. J'aurais pu créer beaucoup plus de licks. C'est un coffre. Ils aillent le placer eux-mêmes. Eh, touchez pas à ma bouffe, hein. C'est ça à moi.
Le temps qui se prépare, récupérer. Il y a du blé. Cool. On va essayer de faire quelque chose avec le blé. Le plan de fortification anti-violent est achevé. Bien joué tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire avec de l'eau? Et de la bidoche. Ça ne marche pas. Bidoche, blé. Ça fonctionne. Excellent travail, Agita. Ces pièges glace achèvent le plan avec brio. J'espère qu'ils feront de même avec nos adversaires. Cependant, je crains que l'unité des violents ne soit pas notre ultime adversaire. C'est une autre menace. Nous remporterons peut-être jamais cette guerre, mais nous devons nous battre. Ensemble. Et Agita, tu penses vraiment qu'elle est de mèche avec les... Ouais, elle parle juste à côté d'elle. Hein. Vous allez bien, tous les deux? Je n'apprécie guère qu'on m'observe de cette manière si suspicieuse. Si vous avez quelque chose à me dire, allez-y. Un instant, je pense que je perçois quelque chose. Qu'est-ce que c'était que ça? Nouvelle attaque. Oh, le coup, ça va être long. Puis on fait 100. Hein. Ouais, j'ai pas mal de viande avec moi. C'est pas large suffisant pour ce combat. J'ai la rosée, j'ai 25 herbes médicinales. Ça a l'air d'être bon, quoique la bouffe est bientôt finie. On va attendre. Est-ce que c'est l'ultime combat? Bon après il y aura peut-être un vrai gros boss. Hein. Une brioche gluante. C'est génial. On dirait qu'une armée immense approche, c'est sûrement l'unité des violents. Qu'est-ce que t'en dis, Agita? Prête à faire passer un seul quart d'heure au monstre? Oui. On va voir ce que ça donne la brioche. Et Agita, avant qu'on y aille, elle prend pas mal. Tous ces gadgets que tu as inventés sont géniaux. Mais quand il s'agit de mettre une raclée au monstre, c'est mon truc. Si tu penses que tes pièges peuvent me remplacer, tu te mets le doigt dans l'œil. J'en ai assez qu'on me prenne pour un nul. Ça me donne envie de tout casser. Heureusement pour toi, c'est ma spécialité. Allons-y. Ok. C'est quoi? Moi je prends pas de temps. Je vais direct au combat. Saleté de bestiole. Je vais tenter de manger la brioche après. Vas-y on mange. Ça fait rien de plus. Pas de l'attaque, ça pousse rien d'autre. Ouais, faut mieux aller directement à la source là où ils attaquent. Ça leur met des dégâts avant qu'ils avancent. Ils sont bien plus résistants. Tout, tout, tout. On essaie aussi de prendre le moins de dégâts possible. Esquive. Tape, 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 grâce. Bon, allez, vas-y. Ne perdons pas de temps. Comme ça, on pourra le récupérer après. Personne là, non. Parce que lui, il est mort. Charge. Ça, ça m'énerve. Voilà, décharge tout. Ça avance. La rosée, quoique j'en ai pas besoin encore. Cette viande, ça envoie des boules de feu. Faut que je m'occupe des mages. En plus, il les bloque les autres. Très bien, comme ça, je peux les frapper en même temps. Bloc. Où est-ce que ça en est? De toute façon, vous soignez avec votre multi-soin. Pas de problème. Hein.
Oh là là, c'est le bordel. Ça, c'est de la guerre. Oulalalaza. Yolalalé. Seiya. Le petit haut là. Puis on achève vite. Puis on peut taper le même. Classé lui, non? Ah non, c'est bon. Oh, il l'a glacé. Ça fait piège. Ça doit bien marcher. Aïe. Meurs, 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 meurs. Je fais pas beaucoup de dégâts, moi. Parfait. Tic, tic, tic. Glacial. On tourne. Yeah, yeah. Oh, un beaucoup critique lui. Allez, viens Malrof, direct dans les défenses ennemies. Bien joué. Ça c'est extra. Défense qui a augmenté. Je vais vous briser les os. Il y a la patate. Voilà. Tchouk. Allez, pas dans les pièges. C'est un bon robot. Ça va là-haut, ça s'occupe. Ah, je mets tellement rien en dégâts. 26, 27, est-ce que je peux pas mieux faire? C'est mon épée la plus puissante, ça, après. 2, 14, ouais non, c'est vraiment, je remets rien en dégâts. Hein. Voilà. Ah, c'est mieux celle-ci. Bon, les pièges vont faire leur travail après. Je vais vous aider. C'est... Tu recules. Le coup de rase que je vais garder. Ting ting. Se renourrir à la patate. Tui 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 tui. J'adore ces monstres. Toxique. Ça perd tellement rien en PV. C'est fou hein. Comment ça? Il tient le bordel. Tac. Moi, ah, pas mal, bâtisseuse. Pas mal du tout. Voyons voir comment tu t'en sortiras avec un méga banc qui va dire oula. Eh bah oui, c'est l'archidémon connu avec les sorts bang. Sa généralité des violents. Vas-y, Malrof. Très bien. Bon, t'as pas mis sur le boss. C'est pas bien grave. Avec que du gros mob. Il reste 9 herbes. C'est amplement suffisant. Faut pas que je me retrouve coincé. Sans là, je risque de mourir. Voilà. Et dans les pièges. Si jamais m'arroser. Ah oui, ça va beaucoup plus vite hein, comme ça. Allez, dès que j'ai subi assez, j'active l'arrosé. Tout le monde est glacé. Prépare un sort. Attends, je sais même pas si ça comptait la rosée que j'ai utilisée. Ça n'a pas fait d'effet. C'est bientôt fini. On y retourne. Ah, il y avait des mages avec. Et il reste plus que lui. Eh, aux Zazil, je crois que ça n'a pas compté. L'autre, elle est pas full soignée. Hein. Oh. C'est beau. Allez, ça va le faire. Méga protection. C'est bien joué. Recule. Et on y retourne.
tout détruire. En même temps, Megaman, ça rigole pas. Hein. Dégâts de zone, dégâts de groupe. Puissant. Tout ce qu'il faut. Allez. Et voilà, achevé. Ouh. Très beau combat. Eh, faut que j'en fasse des épées. Je vous ai des épées de cuivre. Je crois que j'en ai fait assez. J'ai mis dans le coffre. Ah, c'est impossible, vaincu par sa plume. M'avez vaincu. Mais vous n'échapperez pas à votre destin. Débattez-vous autant que vous voulez. Ça ne fera aucune différence. Ah, ah, ah. Oh, l'unité des violents a été vaincue. Oh, 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 en effet, Agita. Les trois héros de Chaos ont été vaincus, et c'est grâce à toi. Tu mérites une récompense, jeune fille. 5 millions de pièces d'or. Jérôme, va vite chercher ça dans les coffres. Diantre, majesté, avez-vous perdu l'esprit? Nous n'avons aucun coffre dans le château et encore moins de pièces d'or pour les remplir. Je ne sais même pas ce que c'est. Oh, oh, oh. Et tant pis, jeune Agita. Je n'ai rien à t'offrir de plus pour avoir suivi mes commandements que ma gratitude éternelle, sans aucune réserve. Je sais pas ce que préparent les monstres, mais je sais quelle est notre priorité, réparer les dégâts subis par le château. Toujours et toujours. Et voilà, mission terminée, est-ce qu'on aura une autre grosse mission? En tout cas, moi j'aime bien ce chapitre, hein, franchement. Les trois héros de Chaos ont été vaincus, mais si l'on en croit les dernières paroles de l'archidémon, les problèmes ne sont pas encore terminés. Le conflit ne finira-t-il que lorsque nous aurons occupé une place en Orbis Lune, symbole de paix et de prospérité de notre île. Las, notre griffe de l'ennemi depuis des décennies. Malgré la défaite de nos ennemis, les ténèbres demeurent, comme si un mal insondable approchait en ce moment même. Cette guerre ne suffira jamais, nous devons combattre jour et nuit. Bon, lui, je le passe. D'autres, si c'est cette cacophonie intolérable qui ose faire fi de toute mélodie, votre complainte dissonante nous empêche de nous concentrer. Pas de temps à perdre en bavardage. Si notre ennemi approche vraiment, nous devons renforcer nos défenses et nous préparer à un nouvel assaut. Ça, ce qui est bizarre, c'est que... Allez, dommage avec les monstres. Mais pourquoi nous aider à faire des barricades, des pièges contre toutes les ruées de mobs? Merci Agita, sans toi, nous n'aurions pas pu résister à l'assaut d'unité des violents et encore moins les vaincre. Je doutais que le pouvoir de création que tu possédais puisse nous mener bien loin, mais malgré mes appréhensions, tous nos rêves sont désormais à notre portée, le mien y compris. En parlant de pouvoir de création, j'ai une requête de sa majesté, il aimerait que tu construises quelque chose. Je souhaite que tu bâtisses un donjon sous le château. Nous en aurons sans doute besoin à très bientôt. Tu pourrais peut-être utiliser la salle secrète située dans le jardin du château. Je te suggère de dessiner ton plan là-bas. J'avais pensé à cet endroit, donc dans tous les cas. Ok. Laisse-moi voir ça. Oui, cela devrait répondre parfaitement à nos besoins. Excellent travail, Agita. Je pense qu'il vaut mieux te laisser tout ce qui touche la construction. Ouais, laisse-moi faire. Prendre le coffre, y a pas besoin. Ces blocs-là. Est-ce qu'il y en avait besoin? Oui. Dallage. Temps d'univers impitoyable. Un seul? Un seul. Tout est mis là en dallage. Eh, par contre, comment on est passé? Voilà. Voilà. Allez, on va finir par ça. Ce sera un bon épisode. Comment ça va pas? Ça va bien. Une seule. Une prison pour Athéna, tiens.
Ça va être bien. Avec des chaînes. Il fallait pas des murs d'enceinte. Tout ce qu'il y a au-dessus. Alors, du grillage. Ok. Comme ça. Pas mal. Je trouve c'est stylé une petite cellule comme ça. Après, c'est du bloc de mur d'enceinte. Ping. On manquera une. Écoute. Nous, on est comme ça. Pas de temps à perdre. Voilà, sale petite. Elle fait des bras zéro aussi. J'en ai sur moi, ça. En effet. Deux. Où est-ce que je vais placer ceci? Bras zéro, devant. Voilà. Les points en pierre. Et les chaînes... en plein milieu, comme ceci. Tu arrives? Vous êtes venu d'où, vous? Bon, bah attends, je monte du coup. C'est bon, Martial. Ah! Je vois que tu as terminé le donjon comme je te l'avais demandé. On va dire, il y a eu de nouveaux événements. Le premier occupant de ta cellule fraîchement construite a été décidé. Mes excuses, Agita. Non? Pas mal, Rof. Hé, comment tu veux me faire ça? Pardonne-moi, Malrof. Athéna a convaincu sa majesté que tu étais trop dangereux pour rester libre. Et je ne veux pas désobéir à un ordre direct du roi. C'est pas à toi que je parle, crétin. Pourquoi Agita, pourquoi t'as construit un donjon pour m'emprisonner? Juste parce qu'ils te l'ont demandé gentiment? Je veux pas entendre tes excuses. Je veux plus te voir. Je crois que t'étais différente. Je suis désolé, c'est la faute d'Athéna. Elle essaie sûrement de nous monter les uns contre les autres pour nous empêcher de nous unir contre les monstres. J'aurais dire la vérité à sa majesté, mais ça ne servira à rien. Il y a une confiance aveugle en Athéna. Jamais elle ne me croirait. Mais je ne baisse pas les bras, je trouverai un autre moyen. Je te laisserai pas croupir ici, Malrof. Pas tant que le véritable coupable ne sera pas derrière les barreaux à ta place. Agita, Martial, que faites-vous donc ici? Je... Oh. Bonté divine, qu'est-ce que c'était que ça? Humain bien occupé, moi pas parti longtemps, et eux construire un joli château pour que moi puisse détruire. Seigneur Atlas, il ne faut pas sous-estimer les humains. Nous devrions les anéantir immédiatement avant qu'ils ne deviennent plus forts. Alors, je sais qu'Atlas est un géant qui est super grand, mais là... Et c'est même pas le géant vert, quoi. Les haricots verts, c'est le géant orange. Les haricots qui font péter. Ouah, très drôle, cyclomage. Pas si coriace. Bientôt écrasé. Maintenant, nous amuser. En avant, serviteur, faire souffrir humain pour moi, faire crier eux pour moi. Et tout ça, ce sera pour le prochain épisode. J'espère t'apprécier celui-ci, mon pauvre Malrof. Je suis désolé. Toi, tu vas le payer. Je mettrais bien en tôle là, comme ça. Tac, tac. Et t'enfermer. Tu mérites. Que ce châtiment. Allez, des bisous et à la prochaine. Salut, ou encore un gros combat qui s'annonce.